Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui. La voici, la voilà, la vidéo setup 2021. C'était en 2019 la dernière fois qu'on s'est retrouvés et le setup a énormément évolué. C'est un plaisir de vous retrouver avec BXNO, la caméra girl, le gros budget comme promis. Voilà, elle aura son pourcentage sur la vidéo. C'est faux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Prenez place, mon setup, ceux qui m'ont suivi depuis des années, il a bougé. Hein. Un coup j'étais ici, un coup j'étais comme ça, un coup j'étais comme ça, et maintenant je suis comme ça, le bureau il est là-bas, vous le voyez pas encore. Et ici c'est la partie que vous voyez derrière mes vidéos finalement, voilà. Et là-bas c'est la partie privée que vous ne voyez pas, voilà. Du coup les amis, avant de passer au setup, qui est la partie la plus intéressante et la plus longue de la vidéo, juste pour vous montrer un petit peu finalement l'arrière-plan de ce que vous voyez quand je suis en facecam et qu'il n'y a pas le fond vert, je vous montrerai aussi le setup fond vert tout à l'heure. Et du coup, ça c'est un truc dont je suis fier, voilà, c'est le dernier truc qui a été ajouté, ça m'a coûté très très cher, ça m'a coûté 6 feuilles de papier, voilà c'est tout, et de l'encre évidemment, et voilà c'est tout. Ceux qui veulent faire la même chose, je vous mettrai le lien en description si vous voulez, parce que je suis un amour, et puis voilà tout simplement. La petite lampe de sel, aussi, alors hey, approche-toi, c'est quoi ça, c'est un élément très important, mais un peu de verdure, de végétal, je l'entretiens très dur tous les jours, cette petite, finalement c'est quoi comme plante? C'est une plante en plastique. Voilà, la voici. On va l'appeler... comment on peut l'appeler? On va l'appeler Timothée. Tu sais pourquoi? Je sais pas, les mèches de cheveux. Un peu, on dirait un Timothée. Ensuite, mon synthé juste ici, c'est le Yamaha PSR 1500 qui me suit depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, Marion, avec la petite moto juste ici, magnifique. Astuce incroyable que tu avais trouvé du coup. Parce qu'on peut... En fait, le synthé, il est fait pour que tu puisses brancher du USB, donc un disque dur et tout. Et du coup, on a détourné le système pour mettre une lumière dessus. Voilà, ça n'a aucun rapport. Le petit panda qui me suit toujours dans mes dernières vidéos. Et puis là, il y a peut-être quelques petites photos aussi, des références que j'ai gardées. Les montages de Lux, l'abonné qui m'avait fait donc moi sur GTA V, M-Colo Green L. Du coup, les amis, la partie qui va tous nous intéresser maintenant, c'est la partie setup. Let's go, c'est parti. Alors le PC en lui-même, vas-y, tu peux t'approcher, ça dégage. La chaise, j'ai pas la référence d'ailleurs si ça vous intéressait, c'est une chaise que achetée en magasin qui est très bien. Il y en avait beaucoup qui disaient que c'était pas un PC de compétition et c'est totalement vrai, il a même pas changé, c'est toujours le même, c'est un PC Tera classique. Toujours 16 Go de RAM à l'intérieur, par contre il y a eu donc des modifications et vous êtes très nombreux à le savoir puisque c'était par rapport à Flight Simulator. J'ai changé de carte graphique, hein, on connaît. C'était un des premiers gros investissements que j'ai fait depuis. Et du coup, j'ai pris la Nvidia RTX 2060 Super 8 Go Dual. Boum! Voilà, c'est pas l'une des meilleures. Il y en a d'autres, mais déjà le fait que ce soit une ray tracing, bah, c'est super stylé. Pour moi, ça change. Voilà, c'est super sympa. Quelque chose qui n'a pas changé aussi, c'est que j'ai un onduleur. Tu peux montrer derrière. D'ailleurs, je vais allumer la softbox. Celle-là, je vais en parler aussi après, ça n'a pas changé, mais voilà, j'ai un onduleur juste ici. L'onduleur qui permet d'avoir des prises supplémentaires, mais surtout quand il y a une coupure de courant, à ce qui est toujours du courant. Donc en gros, quand tu es en train de faire un montage, que tu es en train de travailler, que tu es en train... Peu importe ce que tu fais, quand tu as une coupure de courant, que tu n'as pas le temps de sauvegarder, tu es dans la merde et en plus, tu fous tout en l'air. Alors que là, quand tu as une coupure de courant, ton ordi ne coupe pas. Enfin, tout ce qui est branché dessus, ça ne coupe pas et ça, c'est cool. Mais ça coûte très cher. Un des tout derniers investissements que j'ai fait, et on va d'ailleurs d'abord commencer par celui-là, parce que vous voyez que cet écran-là, il est à la verticale. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, puisque du coup, j'ai acheté un support. Ça coûte 50€ pour deux écrans, ça doit être 75€ pour trois écrans, et ça te permet tout simplement de niquer ton écran totalement quand tu fais n'importe quoi, mais ça te permet, voilà, de faire un petit peu ce que tu veux. Bon, là, en l'occurrence, c'est crétin ce que je viens de faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ouais, c'était la démonstration. Ensuite, au niveau des périphériques, beaucoup de nouveautés et un gros investissement, c'est cette table de mixage. Mais on va pas commencer par celle-là. Là, je t'ai eu. On va commencer classiquement par le clavier qui, lui, n'a pas changé depuis la vidéo setup 2019. Clavier qui a été offert par ma copine. Il fait du bruit. Et c'était insupportable au début quand j'avais le Blue Yeti à l'époque, mais j'ai changé de micro. Alors ça, les gars, gros débat. Les souris sans fil, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour les gamers? Ceux qui disent que c'est pas bien... Vous êtes juste des rageux qui savent pas jouer, c'est pas possible. Une souris sans fil, ça marche aussi bien qu'une... Les gars, je ne comprends pas. Voilà, cette souris, elle est pas chère, je sais plus combien elle coûte. 30€, elle est trop belle. Déjà, juste, elle est trop belle, elle est magnifique. Regardez, on a envie de lui caresser le cul, quoi. J'ai acheté la même tellement j'ai bien aimé. Elle est trop bien.
Et elle fonctionne super en fait, genre juste elle fonctionne super. Le tapis de souris les amis, je vais pas vous mentir, vous tapez sur Google tapis de souris RGB, ça revient au même, vous trouvez ce que vous voulez au prix que vous voulez, donc voilà. Le Stream Deck les amis, ça c'est l'élément essentiel, ça fait un moment que je l'ai maintenant, mais le Stream Deck les gars, vraiment, tu fais du stream et même juste si tu fais pas de stream, bon c'est mieux quand tu fais du stream, mais c'est l'élément essentiel, c'est juste incroyable. Je peux espionner mes acolytes en temps réel. Voilà, et ça c'est incroyable. Ça me permet de contrôler que mes acolytes vont bien, de voir c'est quoi leur dernière vidéo. Par exemple, si je clique sur BX Note, tac, et ben ça m'ouvre directement ici. Tu peux... Non, alors il faut que tu lèves la caméra. T'as levé ta tête et t'es en mode, waouh. Ouais, mais montre aux gens. Du coup, vous allez me dire à quoi ça sert le Stream Deck à part espionner ses acolytes. Ça sert à plein de choses. Il y a plein de raccourcis. Là ici, ça me permet de lancer Steam, Battle.net, Epic Games et mon Track IR. Le Track IR donc, qui permet de traquer les mouvements de la tête. On va y venir juste après. Ici, regarde, ça c'est toutes mes interactions avec mon live. Ça c'est pour lancer des enregistrements avec OBS. Donc quand je fais des vidéos, je clique dessus. Ça me permet... Tout va bien. Ça me permet, j'ai cliqué sans faire exprès, de créer des clips en fait sur Twitch quand il se passe des bons moments. En tout cas, de mettre un marqueur. Ça c'est pour changer mes scènes. Voilà, tout simplement mes petites scènes, tranquillou. Ça c'est pour mettre ma caméra fond vert ou non. Les overlays... j'ai encore rien configuré, allez salut. Ça c'est pour les bruitages. Ah c'est marrant. Oh mon dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ah. Ça c'est pour, non ce que j'ai montré, ça c'est pour mon déformateur de voix, donc avec voice mode. Ça me permet de changer ma voix, bon là ça marchera pas, c'est complètement con. Ensuite qu'est-ce que j'ai ici? Bah là ici c'est tout plein de raccourcis, donc ça c'est pour lancer OBS, ça c'est pour mettre mon appareil photo, ça c'est pour Streamlabs, ça c'est pour Discord, mes mails, TikTok, Instagram, mon ordi me fait des conneries. Ça c'est pour accéder à ma chaîne YouTube directement, voilà des petits raccourcis super pratiques. Ça c'est pour changer la luminosité du Stream Deck, donc ça va faire chier la caméra si je fais ça, mais voilà. Et ça c'est pour lancer Twitch. Vraiment, si vous êtes streamer ou pas, je ne peux que vous recommander ça. Vous avez des, voilà, pour les n'importe quel raccourci clavier, n'importe quel raccourci pour aller plus vite, pour que ce soit plus pratique, pour faire le kéké, pour tout, ça sert à tout. Et alors faut savoir que voilà, moi ma maison elle est pas ultra connectée, Google, je sais pas quoi, Philips et tout, mais vous pouvez connecter vos lumières avec, mais bon, vous connaissez je pense la majorité, donc je vais pas trop rentrer là-dedans. On va parler des enceintes, on va parler tout ce qui est audio maintenant, voilà, tout ce qui est audio, les enceintes juste ici. Et je remercie ma copine aussi parce que bon, arrête. Des enceintes de monitoring, parfait pour la composition de musique, et mais aussi pour jouer, mais ouais pour la composition de musique. Et parce que du coup elles sont neutres et voilà, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi les enceintes de monitoring, en gros le son il est neutre et il n'y a pas trop de basse ou pas assez de basse, il n'y a pas trop d'aigu ou pas assez d'aigu, il y a tout qui est neutre et du coup vraiment t'as une oreille... C'est comme si maintenant t'étais politiquement engagé pour Marine Le Pen et qu'on te dit ouais mais Macron il est bien, et ben tu voudras pas écouter ce qu'on te dit parce que t'es pour Marine Le Pen. Si maintenant t'es pour Macron et qu'on te dit « Ouais, Marine Le Pen, t'inquiète. Ouais, Marine Le Pen, elle est bien. » Tu diras « Non, non, parce que t'es pour Macron. » Mais si t'as aucun parti, eh ben t'es prêt à écouter les deux camps parce que t'es neutre. Ben, c'est la même chose. C'est le meilleur exemple. C'est vrai ? Le gros, gros, gros dernier investissement, et ça, c'est également grâce à vous, eh bien, c'est ce fameux Go XLR, la table de mixage. Également, nouveau micro juste ici. Et ça, c'est juste incroyable, les amis. Go XLR Mini, c'est-à-dire que c'est vraiment la version... En fait, il y a une version beaucoup plus grande avec beaucoup de fonctionnalités qui ne servent à rien, voilà. Le curseur ici qui permet de gérer pour le micro, d'ailleurs, là vous me voyez parler. Bonjour, ça va? Voilà, ça c'est pour Discord, donc mes acolytes, quand je suis avec eux, on les entend ici. Ici c'est pour la musique, quand je suis en live, quand il y a de la musique en fond. Et ça c'est pour le jeu, pour les sons qui sortent de l'ordinateur directement. À quoi ça sert? Bah déjà, dans un premier temps, ça permet de régler les volumes comme je veux, en fonction d'eux, mais aussi de séparer les pistes, parce que quand je suis en live sur Twitch, que je joue à Call of, par exemple, bah, je mets de la musique en fond pour que sur le live, ce soit sympa, pour que les viewers entendent quelque chose et que ce soit sympa. Ce qui est pratique, c'est que moi, quand je joue à Call of, des fois, j'ai besoin d'être concentré sur le jeu. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que je peux couper le volume de la musique, mais sur le live, on entendra toujours la musique alors que moi, je ne l'entendrai plus. Et surtout, là où c'est donc l'avantage, c'est que en vidéo, quand à la fin, c'est une rediffusion, on peut complètement enlever la piste audio de la musique et voilà. En gros, ça permet de séparer tous les sons. Le retour que j'ai, c'est le retour que vous entendez, donc j'entends de la même façon que vous. Et ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est du micro, eh bien, c'est de la marque Tonor. De même pour ce bras, qui est de la marque Tonor. Et vraiment, les gars, c'est un régal. Hein. Ce truc, c'est un régal. Hein. Franchement, n'ayez pas peur d'un... Alors, il n'est pas cher. Il n'est pas cher, mais quand vous voyez ça, les gars, si vous voulez acheter un bras de micro, prenez un bras de micro qui a cet embout-là. Prenez un embout comme ça, là. Ça ne bougera jamais.
Mais vraiment, ça ne cassera jamais, ça ne fera jamais de mal à votre bureau. Non mais vraiment, voilà, je le dis, c'est incroyable. On sent que t'avais les nerfs contre tes anciens bras de micro qui bougeaient dans tous les sens et qui se pétaient, hein. Ça, les gars, c'est le meilleur casque du monde. Et ça, c'est pareil, on se l'est offert avec ma copine. On se l'est offert chacun, en fait. Le Beyer Dynamics, tout le monde là, les gars, tout le monde là, vous le savez très bien. Le DT770 Pro. Et ça, de la même façon, en fait, finalement, que les enceintes, c'est censé être parfait pour la composition de musique parce que du coup le son est neutre. C'est pareil avec l'exemple que je vous ai dit avec Macron et truc. Le son est neutre. Et quand tu le mets sur tes oreilles, t'entends rien à ce qu'il y a dehors, t'es vraiment isolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le confort, vraiment, on est trop bien. Tu peux passer des heures avec. Donc des petites mousses acoustiques. Ce n'est pas des mousses acoustiques. En fait, c'est de la moquette. Ici, petit élément décoratif. Et voilà, j'aime trop. Regarde, viens voir, regarde comme c'est beau. C'est la petite horloge que j'ai reçue. C'était à Noël. C'était pour Noël. Ça, les gars. Ça, c'était très important pour moi et ça n'a pas bougé. J'avais déjà mis ça à un moment donné quand mon bureau il était dans un autre sens. C'est vraiment littéralement les jeux qui m'ont marqué, ma jeunesse. Les gars, je peux en parler des heures. Hein. MW3, un de mes premiers Call of Duty, le sang de la veine. Black Ops 2, le sang de la veine. Beyond Two Souls qui m'a retourné le cerveau complètement. Black Ops, le sang de la veine. Far Cry 3, putain, j'ai envie de faire l'amour à ce jeu. Et Far Cry 4, c'était le feu. Et voilà. Mais j'ai envie de te faire. Tu connais le POV, toi? Hop, la webcam, c'est toujours la même depuis un petit moment, à savoir la Logitech C920, une caméra vraiment très très bien. Et je vous l'ai déjà dit, les amis, ça sert à rien d'essayer d'avoir plus, d'avoir mieux ou je sais pas quoi, en tout cas pour ma part. Quand je suis en incrustation fond vert, ça suffit totalement d'avoir cette caméra, puisque c'est pas non plus voilà, en 1920 par 1080. Et quand je suis en facecam, littéralement, la qualité est déjà suffisante. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir un bon éclairage. À partir du moment où t'as un bon éclairage, t'as une bonne qualité. Alors ce sera jamais pareil qu'un appareil photo réflexe, voilà. Mais non, ça suffit largement. J'ai une softbox ici, j'en ai une là-bas, mais elle est pas là habituellement, les gars. Celle-là, elle est juste là pour que vous me voyez correctement, hein, pour la vidéo FAQ. Setup, pardon. Voilà. Une seule softbox, ça me suffit. Ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo setup également. Bonsoir, j'ai la tête dans le cul. Sachez que ceci n'était absolument pas prévu, mais depuis qu'on a tourné la vidéo setup, j'ai fait un nouvel investissement. Donc je voulais vous le montrer. Il s'agit de cette ring light. Voilà, je vous mettrai également en description. Je peux régler totalement les couleurs, l'intensité, et ça me permet tout simplement en facecam de pas avoir la softbox que j'utilise quand j'ai mon fond vert et du coup d'avoir mon visage éclairé. Coucou les filles, comment ça va? Et en vrai, c'est trop bien. Et ça, les amis, regardez, on va pouvoir en parler. C'est donc le Trackier. Cette petite caméra en plus, c'est le Trackier. Alors, pas de panique, hein, vous savez. Quand on est devant l'ordi et qu'on n'utilise pas les caméras, en général, on fait ça pour être sûr qu'on ne se fasse pas pirater. Mais avec ça, on ne peut pas vous voir. Ça, cette caméra, elle sert à voir les réflexions lumineuses précises de quelque chose. Et ce quelque chose, il est là-dedans. C'est réflecteur-là, juste ici. Donc, c'est pas la casquette, hein, on s'en fiche, hein, de la casquette. C'est ça, c'est ces trois petits réflecteurs. Et la caméra là-bas, donc le Trackier, va refléter, enfin, récupère les informations de ces réflecteurs. Et du coup, en bougeant, en faisant des mouvements de ta tête, eh ben, il va tout simplement tout prendre en compte. Je vais lancer le logiciel, comme ça on va montrer. Et là, tu vois comment c'est fidèle en fait. C'est encore plus fidèle qu'une femme. Et là, voilà. Coucou, c'est moi. Et ça, les amis, ça fonctionne avec donc ça, ces fameux réflecteurs, mais également avec un bundle clip. Et c'est le premier truc que j'avais. C'est ce qui fait que ça coûte plus cher. C'est un supplément. C'est un truc que tu accroches à ton casque. Et c'est pareil, c'est trois réflecteurs, mais c'est un peu des lasers, tu vois. On en parle des boîtes d'œufs là-bas, là. Et du pot de knacky. Je sais pas ce qu'elle raconte. T'inquiète. Ah bah je vais garder ça avec le... Et donc ça, les amis, c'est le bundle clip, donc du Trackier. Alors pas le casque, hein, juste ça. Ce fameux truc. Et donc attendez, je vais juste le déboîter. Oh putain, tiens, c'est quoi, on a rien à foutre. Regarde. Donc voilà, c'est trois rayons laser et c'est la même chose, hein, c'est comme sur la casquette, les réflecteurs, c'est exactement la même chose. Et c'est censé être plus fiable, bah parce qu'en général, dans ta chambre, il n'y a pas trop de rayons laser autres que ça. Alors que les réflecteurs, par exemple, ça peut être le soleil qui tape contre la fenêtre, voilà. Mais ça marche très bien sans. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire, les amis. Voilà. Bah du coup, voilà, je vais vous présenter aussi, les amis, tant qu'on y est, petit rangement de casier où je mets un petit peu mon bazar. Mais je m'y retrouve et regardez comme c'est mignon. Voilà, je peux un peu vous montrer ma vie privée. Regardez. Ma petite moto qui me permet de faire du bricolage. Voilà. C'est ça que je voulais montrer. Donc la manette aussi, pareil, ça n'a pas changé depuis le setup 2019.
également offerte par ma copine. Ce que je dis ici, que c'est une partie décorative. Mais c'est pas seulement une partie décorative, c'est pas seulement pour combler l'espace, c'est aussi pour se poser tranquillement, loin des écrans, pouvoir réfléchir un peu à la vie. Alors là, le rideau est fermé, mais moi, je peux voir dehors. J'ai une belle vue sur Paris. Alors, je me mets du rouge à lèvres, telle une femme d'affaires. Du rouge à lèvres. C'est très drôle parce que sur les vidéos, comme la caméra, elle est là, tu vois, donc tu vois que la partie comme ça un peu, tu vois. Donc, tu vois toute la beauté. Voilà, tu vois toute la beauté, tu vois aucune imperfection. On peut donc commencer par ce magnifique pot. Hein, il est beau, le pot. On le voit bien, mais en fait, en réalité, il est cassé. C'est un pot en plastique, rappelons-le, c'est des fleurs en plastique. Hein. Voilà. Ouais, je l'avais fait tomber. Là, ici, les amis, c'est mon accueil, offert par ma copine. En fait, tout ce qui concerne quasiment tout ce qui est musique, eh ben, c'est les cadeaux qui font plaisir. Voilà, l'accueil MPK Mini. Et en plus, édition, alors, édition noir et blanc, parce que c'est la version classique, c'est en rouge et blanc. Rouge et noir, voilà. Rouge et noir. Mmh. Ici, l'horloge incroyable, l'horloge qui m'a toujours suivi, depuis toujours, et fait chier. Oh. Ça, regarde cool. Détresse. La marque c'est Lunartech, mais voilà, me demandez pas la référence parce qu'il me semble qu'on peut plus la trouver, mais je suis pas sûr. Il y a des petites décos que du coup on ne voit pas, par exemple le savon ultra motard, incroyable, voilà, en plus il sent bon. Et le Uno de luxe juste ici, faites une partie avec Marion, gagnez 3 fois d'affilée et elle va vous balancer toutes ses cartes dans la gueule. Là ici c'est donc mon volant, le G27, et donc non seulement dans le décor ça rend trop bien quand je fais mes vidéos facecam comme ça, mais non seulement au niveau rangement, mais c'est juste incroyable. J'ai mon G27 là, à tout moment, je vais pas le faire parce que ça me fait chier, ok. J'ai juste à le déboîter, je le prends et hop, je le mets là, tout simplement. Il y a le levier de vitesse juste ici et derrière le Thrustmaster, le joystick Thrustmaster, je vais le sortir. C'est un vieux joystick Thrustmaster que j'ai eu de la chance de trouver au dernier moment sur le bon coin pour jouer à Flight Simulator, et le gars il était super sympa et tout, enfin bref, en super bon état, j'ai eu énormément de chance. Et voilà, et c'est un made in China, enfin en fait comme tout ce que t'as dans ta chambre. Bah du coup c'est derrière aussi que je range mon casque, enfin ma casquette avec les réflecteurs, hein, tout simplement. Donc c'est pas vraiment un rangement, tu vois, en fait il y a plein de câbles et c'est un peu le bazar, mais vu d'extérieur c'est beau et c'est très pratique. Donc ça reste rangé quand même, voilà. Ça vous le voyez pas, mais c'est des trucs que je voulais pas acheter à la poubelle. Mon ancien logo Mcolo, souvenir des P-Cubes. Ça c'est des trucs que je voulais pas acheter, voilà, vous allez me prendre pour un con parce que c'est juste du papier, tu peux imprimer ça, voilà, mais juste c'est des vieux trucs que j'avais imprimés à l'époque et ça me rappelait trop de souvenirs et je voulais surtout pas enlever ça. Mais comme vous savez que je veux casser cette image de Mcolo égale Minecraft, et ben je voulais plus mettre ça en avant, évidemment. Mais je l'ai quand même gardé, tout simplement. Ici le petit partenariat Ineba, ici la petite boîte également Guenard. Bon les amis, c'est l'instant Partenaire particulier. Partenaire. Super important pour protéger vos yeux, ceux qui peuvent le faire. Vraiment, c'est des lunettes anti-lumière bleue. Vous connaissez tous Guenard. Si comme moi et comme toi, vous avez les yeux secs et les yeux rouges, vous avez comme moi régulièrement mal au crâne parce que vous êtes beaucoup. Alors c'est pas bien d'être devant les écrans. Hein. Guenard ou pas, c'est pas bien d'être trop longtemps devant les écrans. Et si vous avez des maux de tête parce que vous êtes devant les écrans, parce que vous travaillez, que vous jouez, vous avez pas le choix, peu importe. Et ben les gars, les lunettes anti-lumière bleue, c'est le feu. Nouveau slogan. Vous pouvez passer par mon lien en description et ça vous donne 5% de réduction. J'ai tapé sur le micro, j'espère que ça vous a fait plaisir. Deuxième partenaire, je les remercie énormément. Ineba, vous les connaissez. Et au début, le pire, quand on a commencé le partenariat, voilà, vous étiez nombreux à avoir des doutes. Forcément, on ne connaissait pas encore Ineba, ça venait d'arriver. Alors Ineba, c'est quoi? C'est un site qui vous permet d'acheter des jeux à prix cassé, comme d'autres marques que vous connaissez, comme d'autres sites, voilà. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir des jeux à prix cassé et forcément, on se pose toujours la question de comment c'est possible, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a une arnaque et tout. Et au fur et à mesure du temps, vous êtes de plus en plus nombreux à passer par Ineba et moi le premier pour acheter des jeux à prix cassé. Moi, tous les DLC de Euro Truck, je les ai achetés sur Ineba, j'ai eu aucun problème. J'ai acheté American Truck, j'ai acheté pour le concours que je vous ai organisé, voilà, je vous ai offert grâce à Ineba. J'ai acheté Dead by Daylight, Human Fall Flat, toi aussi, c'était là qu'on avait acheté Human Fall Flat. Vous avez 3% de réduction avec mon code MCOLO. Mais surtout, si vous trouvez un code promo moins cher, profitez-en. Vraiment, moi, le code promo, ça me rapporte rien. Si vous voulez me soutenir, passez par mon lien en description. Et les gars, pour terminer, dernier partenaire, OMG Serve. Pareil, OMG Serve, c'est vraiment le sang de la veine, en fait. Les gars de confiance, en fait. Ça fait depuis 2016 que je suis client chez eux à la base.
et maintenant je me retrouve partenaire avec eux. Ils font des serveurs Minecraft, des serveurs Ark. Alors il y a aussi les serveurs TeamSpeak, Mumble, je sais même pas si c'est encore utilisé en 2021, mais si jamais, voilà. Serveur VPS et Starbound, voilà. Je ne connais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, Minecraft, vous le savez les gars, c'est méga fiable et vous pouvez vous faire plaisir. 4,17€ par mois pour un serveur illimité. Et quand on dit illimité, c'est pas les serveurs soi-disant illimités chez d'autres hébergeurs. Hein, là, on parle de MG Serve, donc ça tue. Et vous avez 5% de réduction avec le code MKOLO. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo setup. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà, depuis le temps que vous me l'aviez demandé, depuis le temps que je disais ouais, je vais la faire, et on la faisait pas. Voilà, on s'est promis de le faire début 2021. On le fait au mois de février, c'est nickel. Merci Marion pour le cadrage. Au plaisir de vous retrouver les gars. Vidéo 16h sur YouTube, les lives le soir sur Twitch ou YouTube 20h30 et sur ma chaîne secondaire MKOLO Live, des rediffusions compilées best-of de mes lives. C'est carré hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui finit à l'arrache. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Bombardez-moi la barre là quand même s'il vous plaît. Là, let's go. Allez, c'était MKOLO. Plein de bisous, mais de loin. Ciao tout le monde.